Et j'ai entendu parler de la Semaine africaine de la science et de vos différentes activités. J'ai voulu passer pour me former et je ne suis pas déçu. Et là, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était bien parce qu'on voit que ce sont les jeunes qui viennent montrer leur projet. Ça incite les jeunes à entreprendre. J'ai vu plusieurs activités, plusieurs expositions. Surtout sur l'agriculture et les maisons intelligentes. J'ai vu que c'était bien parce qu'on voit que ce sont les jeunes qui viennent montrer leur projet. Ça incite les jeunes à entreprendre. Je pense que c'est une bonne initiative pour nous les jeunes d'assister à ce genre d'exposition et voir des jeunes comme nous qui font des choses comme ça. Ça nous propulse, ça nous donne envie de faire mieux et de nous investir dans ces activités. J'ai été très heureux de remarquer qu'ils étaient plus axés sur le domaine de l'agriculture parce que c'est un domaine primordial pour notre pays et je pense qu'il faudrait qu'on se concentre dessus pour le développer en fonction des problèmes aussi que nous rencontrons. Donc pour moi c'est vraiment une bonne expérience, une belle expérience même. Et nous pouvons effectuer nos cultures de fin de saison automatiquement même en étant absent sur notre champ. Avec le système, il effectue l'arrosage automatiquement. Ils ont montré comment aider par exemple le pays dans certains problèmes. Il y a le domaine de l'agriculture, le domaine de l'électricité, la sécurité. Ça permet également, et en quelque sorte, de développer le pays avec ça. Il faut que c'est quand même bien. Et comme ce sont des jeunes, on a encore le temps. Ça peut nous permettre d'aller de l'avant. Je pense que c'est une très bonne idée parce que nous n'avons pas beaucoup de semaines de ce genre-là, d'activités de ce genre dans le pays. Nous n'en entendons pas parler. Alors voir ce genre d'activité, moi ça m'a déjà plu, ça m'a déjà fait plaisir. Notre projet a été connecté à Internet de sorte que même si tu n'es pas à la maison, même si tu es à distance, tu peux télécommander les appareils de ta maison à partir de ta voix, à partir de ton smartphone. Éteins la lumière. Et automatiquement, la lumière s'éteint. Allume la lumière. Ok, je mets la lumière. Il ne suffit pas de faire la recherche pour la faire. Quand on fait la recherche, il faut appliquer dans un domaine bien précis. Et ces journées vont permettre donc vraiment de savoir qu'il y a la recherche qui est faite. Il y a des résultats intéressants qui sont obtenus. Et ces résultats voilà, peuvent nous permettre d'améliorer nos conditions. Je les encourage beaucoup à continuer dans ce qu'ils font parce qu'ils sont des modèles pour nous et c'est par des jeunes comme eux que nous allons pouvoir développer le pays.